Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un petit combat de Coliseum. On joue en Nuji, Eni, Xelor. Je suis contre Yop, Panda, Eni, donc c'est une team que je joue aussi pas mal, enfin pas avec un Yop, mais en tout cas à base de Eni et Rodeur plus Panda, ce qui est un petit peu ma team alternative. Alors on verra entre le Xel et le Panda qu'est-ce qui fait le plus gros travail, sachant que le Panda il y a un bon counter au Xel quand même, mais bon moi j'ai du retrait PA, donc bah, il suffit que je mette du retrait sur les Rodeurs et ça peut être assez puissant, on va voir ça tout de suite. Quelles sont les esquives du Yop, hein? Tout se joue là-dessus concrètement. Le Yop, 79 d'esquive, ok c'est pas trop mal. Bon, on va faire au mieux, j'imagine que je vais me prendre une stabi du panda qui m'empêchera de cop, donc je vais essayer de casser la distance assez vite. J'ai changé une variante sur le Jhinarak, je prends la poursuite qui donne maintenant des PM aux alliés, c'est nouveau, ça vient d'arriver avec la mise à jour. L'ancienne version du sort ne m'intéressait pas, mais j'ai joué hier contre un Nuji qui jouait avec ça, donc j'ai regardé le sort et effectivement cette variante elle est très bien. Donc je vais la tester ici. Il place un tonneau tout de suite, bombance, fermentation, d'accord, donc on est sur un premier tour assez soft. Moi je vais venir placer un poil de retrait comme ça. Un ralentissement aussi. On va mettre un sablier sur le Yop. Ensuite je vais me faire fuite, contre et flou. Et je pense que je vais avancer. Ouh, non, je vais juste venir comme ça avec le Xel. Bon, j'ai conscience que je vais probablement me pas pouvoir placer de cop. Bon, le panda a pas beaucoup d'esquive, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Sur l'Eni et sur le Yop, c'est correct. Les raises sont pas trop mal. On n'a pas d'ivoire sur l'Eni. Alors l'Eni, il est assez fragile quand même là. Je vois les raises. 20% air, 37% feu. Avec la team que j'ai, je peux lui faire très mal. On va voir. Sinon, c'est plutôt. Bon, c'est à peu près correct sur Yop et Panda. Heureusement qu'il y a l'ivoire. Ouais, c'est quand même un poil léger. Encore les raises à 23%. Ça, donc a priori, on est sur un truc assez agressif. Bon bah on va tester hein, de faire au mieux. Il donne des PM au panda, peut-être qu'il va aller chercher directement à me placer un perso. On va voir ça. Alors moi je peux faire un aboiement sur le Xelor. Je réfléchis à ce qui est le mieux. Non, je vais faire un molosse ici. Je vais faire un aboiement sur le Xel. Je vais pas me transformer, je préfère pas. Je vais faire une poursuite. La poursuite que je vais faire ici, hop, ce qui est quand même pas mal. Je vais me faire une petite maîtrise d'armes. J'ai maté ta vidéo hier quand je travaillais. Ah bah ravi. Donc bonjour à vous. A priori vous êtes des abonnés. Donc bah vous, si vous passez sur la vidéo, bonjour à vous et bonne chance. Le yop, colère de yop. Ça joue à la colère. Ah ça fait plaisir de voir ça. Si je dis que ça fait plaisir, c'est parce que ça fait longtemps que je me suis pas fait éclater à la colère. J'ai pas le temps de me remonter. Bon, je viens poser mon petit lapin, on va le mettre là. On va faire le galvanisant. Maîtrise d'armes. Voilà, je prépare vraiment mon tour suivant à fond. Hop, je vais approcher l'ennemi sans l'isoler trop. Voilà, là, il est un tout petit peu caché derrière les obstacles. C'est parfait. Tout va dépendre de ce que fait le panda. Est-ce qu'il stabilise mon Xel ou pas? S'il stabilise, je suis un peu dans la merde. S'il stabilise pas, a priori, je leur rentre dedans. Là, je vais ramener l'IA tout de suite. On va voir ça. Je me suis pas aligné avec le tonneau pour l'instant, il peut le déplacer s'il veut m'attirer. Flasque explosive en zone. Donc a priori il part plutôt sur un stabi Karcham sur ses persos et pas sur mon Xel. Ce qui est une bonne manière de faire, hein, ça m'empêche de me rapprocher. Pour info là, donc ce que j'ai fait avec Lugie, c'est juste donc un petit glyphe et quand je passe dessus je gagne 2 PM. Donc c'est assez pratique pour aller chercher des. À casser des distances ou des trucs comme ça. Avec le. Ah bah, il s'est fail. Il s'est fail, je suis désolé pour lui. Alors je suis taclé par le truc là. Je peux éventuellement le dégager, mais non, je vais plutôt y aller comme ça. On va partir sur le panda dans un premier temps. Je vais mettre la synchro ici. Hop. Et le cadran comme ça. Hop là, allez, c'est parti. Paradoxe. Alors je mets volontairement la momif maintenant parce que je vais mettre du retrait ici. Hop. Le rollback. Ah j'aurais pas le temps de finir. J'aurais pas le temps de finir. C'est dommage mais c'est quand même pas trop mal. Ouais j'ai été un peu déstabilisé par le Wasta qui allait me tacler. Bon c'est pas grave. Le tour était quand même correct. J'aurais pu mettre un poil plus de retrait. Et là par contre bah, je vais y aller sur le panda. Il est vachement isolé. En plus c'est pas de chance parce que c'est celui qui a le plus de capacité de placement en face. Et c'est lui qui est isolé, donc là ces autres persos on va avoir du mal à rush. Le Yop est stabilisé donc il pourra pas utiliser déferlement pour se rapprocher. Normalement un Yop il peut bon se stabiliser hein, par contre. Mode amitié, bon il essaie de rapprocher, de casser la distance, il a bien raison. Je pourrais partir sur l'ennemi.
Je pourrais y aller sur les niches, mais non, je vais plutôt choisir le panda. Allez, c'est parti. Je place l'érosion. Est-ce que je me transforme tout de suite? Je vais pas me transformer dans l'immédiat, je pense. Je vais donc choisir un arcanin. Hop. On va aller mettre limier. Voilà, je me booste en puissance, toujours le limier en premier autant que possible. Et ensuite, là, on a des dégâts plutôt violents qui passent. Bon, non, ça va, il tank quand même assez bien. Je vais me rapprocher avec Lugie, je vais essayer de pas trop laisser le placement devenir un problème pour moi, des fois qu'il remette de la distance. Ok, avec Lenny. Ah, ça m'embête un petit peu son Brastal, là. Je vais avoir du mal à choper la ligne de vue, il va falloir que je repousse le cadran. Est-ce qu'il va chercher le Xel? Donc là, il peut pas déferlement, hein. Il peut friction par contre. Peut-être double pression. Double pression, ouais, a priori. Avec la friction, ce qui est assez contraignant pour moi, mais bon, ça va, c'est gérable. Je vais venir tout de suite lui debuff l'érosion sur le Xelor. Hop, on va faire ça comme ça. Debuff héros ici. Hop. Ensuite, je vais aller chercher la petite ligne de vie en diagonale comme ça. Là, on n'est pas trop mal. Je vais même venir ici, je pense. J'ai combien de PA? Ouais, je vois ce que j'ai. Je vais donc faire. Ah merde, il m'a mis en état affaibli. Autant pour moi, on va y aller là-dessus. Peut-être mettre des petits dégâts sur le Wasta aussi. Hop, et je vais quand même plutôt faire une Flamiche pour garder un mot vivifiant que je place sur le Jinak. Ce qui pourra me servir. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non, il est pas très bavard. Concentré sur le combat, j'imagine. Le panda, donc, il se retrouve déjà à 2700 points de vie, ce qui est assez contraignant pour lui. Je vais essayer avec le Xel autant que possible de mettre du retrait sur le Yop. Hein. C'est vraiment le Yop qui me fait peur. Faudra que je fasse gaffe à la colère de Yop au tour d'après. Alors, il a mis une souillure sur mon Nuji, il m'enlève des boosts et il me fait un petit malus de puissance. Un malus de retrait PA sur le Xel, c'est très bien joué à l'Ethilo. Plutôt une belle gestion du combat de la part du panda ici. Alors, où est-ce qu'il met mon Eni? Je ne sais pas. Ah, j'ai même pris un peu de retrait PA sur le Xel. Bon, ça va, jusque-là, c'est gérable. Ça rapproche mon ennemi, ok. Alors je vais caler un peu de retrait sur le panda. Le panda quand même qui est assez embêtant au niveau du retrait. Hop, on va venir chercher les petites zones comme ça. Ah, je suis encore taclé ici, ça c'est assez problématique. Je peux me barrer comme ceci. Hop là. Du retrait, du retrait. Je vais également en mettre ici et je me barre. Hop là, voilà, comme ça, comme c'est le Xel qui a pris l'héros pour l'instant, qui a pris un peu de focus. Je le mets à distance, mon ennemi il est solide, il pourra encaisser à peu près. Il faudrait aussi que je m'occupe de Ral le Yop au tour d'après pour pas qu'il me mette la coco. Là pour l'instant j'ai toujours le panda qui est toujours érodé. Alors est-ce qu'il lui débuffe l'héros avec l'ennemi, je ne sais pas. Tiens, il est R. Ah bah si j'avais su qu'il était R, je me serais pas mis comme ça. Oui, c'est vrai qu'avec les 127 de tacle, j'aurais pu être un peu plus attentif et ne pas me prendre ça. Mode silence qui ne passe pas. Alors ça fait beaucoup de PA qui sont gâchés, c'est un peu triste. Je vais aller chercher le panda, je pense. J'ai bien envie de me mettre au milieu de la mêlée comme ça quand même. Non, je vais me mettre comme ça. Hop. Lui, on l'attire. Je vais toujours pas me transformer. Hein. Là, j'ai envie d'encaisser la colère de Yop éventuellement. Donc je vais plutôt partir full dégâts. J'ai pas besoin de remettre l'érosion. Hein. On est d'accord qu'il l'a pas debuff. Hein. 40% d'héros, on est good. Hop, le dégât qui commence à passer assez bien sur le panda ici. Le Yop, j'imagine qu'il va se booster, voilà, puissance. Alors je vais essayer autant que possible de le debuff avec mon Eni. Ah ouais, tiens, emprise sur l'Eni, assez original. Accumulation, il se booste. Ah, il me remet pas de pression par contre. Alors ça, c'est assez embêtant pour moi. Normalement, je peux par contre. Ok, je peux venir ici. Faire un mot de ralliement. Là, j'avance de 2 cases. Avec 2 cases, je gagne en PO, pas grand chose. Hein. Je peux, de toute façon, le panda, je l'ai déjà ici. Je vais le taper autant que possible. Je vais également mettre un petit coup sur le lapin. Je pourrais le tuer, cela dit. Enfin, je pourrais essayer de le tuer. Je vais plutôt y aller comme ça. Hop. Et me rapprocher de la synchro, comme ceci. Ok, on n'est pas trop mal. Là, il faut que je fasse très attention à la colère de Yop hein, qui va tomber. Malheureusement, j'imagine qu'il va stabiliser Karcham. Hein. Ça, c'est voilà, c'est vraiment la classique avec le panda. Soudure sur mon Nuji à nouveau. Il n'a pas envie que je fasse trop mal, il a bien raison. Donc, ça va a priori être sous logique, ça va tomber. Heureusement, Luigi, il est solide, il a les états de rage. Il a l'ivoire. Je pense que ça ira à peu près. Il me remet Lenny par là, d'accord. Ça me tacle un petit peu, mais ça va.
Je vais faire un rollback, je pense, avec le Xel. Bon, ça n'a pas l'air très utile pour l'instant. Oh, si, quand même, ça remet une petite zone là-haut. Le Wasta qui fait son sort spécial. Moi, je vais venir faire ça comme ça. Hop, on peut mettre du retrait sur Lenny. Ouais, bah, je pense que je vais partir là-dessus à fond, hein. Hop, et bon, j'ai pas grand chose de mieux à faire qu'un ralentissement sans état téléfrag sur le panda du coup. Ah si, il l'avait le état téléfrag? Ah oui, il l'avait, d'accord, autant pour moi, c'est juste que avec comme il portait le Yop, on n'avait pas bien le visuel. Donc là, a priori, ça va tomber sur le Xel, la colère de Yop, hein. Ok. Ah, je perds le son du jeu, encore les petits bugs, hein. On connaît Dofus, bien sûr. Alors là, je suis embêté parce que je risque de me faire un petit peu éclater. Le panda, il me tacle ou pas? Il me tacle pas. Donc je vais simplement faire un flare comme ça. Pourquoi je fais un flare? C'est pour m'enlever un état de rage. Hop, remettre l'érosion. Parce que sinon, je me transforme et là, je vais vraiment pas me bouffer la coco en étant transformé. Et je vais venir par là avec Lugie. Hop, donc a priori, je pense que c'est le Xel qui va la mettre. Heureusement pour moi, le Xeller, il joue bien sûr en 7 ans de malheur. Hein, donc il a des raises mêlées. Il a donc résistance mêlée, 40% raise. Je rêve ou y a pas l'ivoire sur mon Xel? Quoi ce gros délire là? Mais non, mon Xel il est en 10-6. Attends, rassurez-moi, j'ai pris du retrait là. Non, je suis en 10. Attends, je suis en 11-6 ou 10-6? Ok, en fait, je crois que j'ai pas le stuff sur le Xel. J'ai pas le stuff du Xel, ok. Autant pour moi. Donc c'est sur mon Ujiji que ça part, en plus on perd le son du jeu, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse les amis, je me disais bien qu'il y avait un souci sur mes res, j'ai pas mon ivoire sur le Xel, je dois avoir un slow vide. Bon, bah écoutez, c'est une chose qui arrive, mais c'est un petit peu pitoyable. Bon, bah on va faire quand même le combat. Lugie du coup qui s'est fait un peu éclate, est-ce qu'il a la pression? Il a que 10%, mais je vais quand même les debuff. Hop. La colère de Yop, hein, du coup, bon, qui m'a quand même mis un bon 2000 malgré les énormes res. Je suis ultra déçu là, franchement, on va faire un sacrificiel. On va faire une preuve et un double sélectif. Je suis dépité de voir que mon Xel jouait dans ces conditions. Ouais, j'ai clairement pas l'ivoire. Bon, bah j'ai pas l'ivoire, il doit me manquer aussi 2-3 autres trucs, je pense. Est-ce que je suis même pas sûr que j'ai mon abyssal. Soudure sur le Lugie, donc là il veut vraiment essayer de passer un kill. Bon, son panda il est quand même pas très bien. Hein. Donc pourtant il est dans le mal hein, clairement. Moi je vais essayer de remettre le cadran quand même par là. Non il fait quoi? Pendant le cul, il me remet à distance. Il rapproche son Yup également. Ok. Ok dac. Le tonneau qui remet mon cadran en arrière. Alors ça m'arrange pas des masses. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la nid déjà plus dans la mêlée ici. Le cadran, je peux le ramener là, c'est parfait. Hop. Et comme ça, je peux mettre une momif. Est-ce que je mets du retrait plutôt sur Eleni? Ouais, je pense que sur Eleni, c'est mieux. Retrait ici. Fuite ici. Hop. Voilà, comme ça, le cadran remet le blue sur tout le monde. Mon Ogi, ça va, il est quand même assez solide, hein, mais. Il me debuff avec Lenny. Putain, il joue vraiment au debuff à fond. Hein. Il veut vraiment passer les kills. C'est assez original. On voit pas beaucoup le mot défendu comme ça. Alors, non, ça c'est la variante de mot de jouvence. Hein. Donc, il joue sans le mot de jouvence, ce qui veut dire qu'il peut pas se debuff l'héros. Ça explique des choses sur la manière dont il a géré le combat jusque maintenant. Affection, normalement, ça m'enlève un état de rage. Hein. C'est nickel. Hop. Le panda est toujours érodé. Bah là, clairement, je vais pouvoir taper. Je vais mettre un limier. Deux limiers même. Deux limiers. Hop, un dépeçage, deux carcasses. Là, ça commence à bien picoter comme il faut. Je vais me barrer avec le J. Je vais aller me mettre ici. Hop, le Yop sort de précis. Donc ça, c'est à peu près gérable pour moi. Panda, 621 points de vie. Si il lui met pas une vita ou un truc comme ça, je le termine avec Lenny, hein, clairement. Alors est-ce qu'il part plutôt full dégâts sur le Gignac, Lugie qui n'est plus érodé. Hein. Sentence.
Ça, c'était pour Deadlock l'Ivoire, j'imagine. Et ensuite, peut-être triple concentration, non, double accumulation, on a vu qu'il jouait à l'accumulation. Une fois, une Vita quand même peut-être? Non, il part vraiment sur, il part vraiment à fond, donc pas de soin qui sort sur le panda. Je vais le péter comme ça, je pense. Hein. Hop. Sélectif, ça passe le kill. Ça met même un peu de soin sur le Xal au passage. C'est nickel. Je vais venir. Il n'y a pas d'héros, hein, donc restimuler le J. Un sélectif comme ça. Et un déroutant également. GG. Donc malgré le fail stuff Xal, je m'en sors. C'est un peu minable quand même, hein. Je vais essayer de pas vous reproduire ça de manière trop récurrente parce que c'est désagréable, bon, pour moi en priorité, mais peut-être aussi ça enlève un peu de l'intérêt au combat. Hop. On va remettre un contre. Hein. Le contre, c'est quand même assez dévastateur contre ce genre de compo. Je vais le mettre ici. Ralentissement, ouais, j'ai une synchro à faire péter encore, mais ouais, je peux le ramener ici, comme ça le J sera pile poil comme il faut pour le J, voilà, sera pile poil comme il faut pour taper le Yap. Le Xal est en res mêlée, hein, il le réclame pas tué. Il le réclame pas tué dans tous les cas. Moi je vais y aller tranquillement sur le Yap que je vais essayer de râle systématiquement maintenant pour assurer la survie de mon Nuginak. Et à partir de là, ça devrait à peu près aller, je pense. PA. Original le mode de Lenny quand même, en particulier avec le debuff hein, qu'on voit quand même très très peu sur un Lenny, ça lui met de l'érosion à lui-même donc c'est assez dangereux mais bon, modem négation sur le Yop. Bon moi je vais y aller avec un petit Arcanin tranquillement. Il tacle mon Lenny. Ok, alors hop. Hop, on va venir mettre. J'ai tout pile d'épée pour faire un tour nickel. Je mets l'érosion, je me booste en puissance. Je tape. Hop là, et je vais peut-être venir coller Lenny également. On est tour 6, faut que je fasse attention à un tour 7, il pourra me remettre du Rox. Je vais même venir peut-être. Ouais, non, je vais venir là prendre l'émeraude. Les petits dégâts de la sentence qui tombent, ça va, c'est plutôt gérable. 7-1, alors qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce qu'il me remet de l'érosion peut-être? On va voir ça. Normalement, si je fais un mot de ralliement sur le J, c'est pas impossible que ça me décale vers le Yop. J'aimerais bien tester ça. On va voir ça. Bon, les dégâts sortent. Il s'est pris le contre, par contre, là, en pleine face. Je vais voir si ça marche. Non, est-ce que ça me décale vers le Yop? C'est pas impossible. Non, ça me poussait dans le mur. Bon, je teste parce que là, je sais que le combat il est plié, donc j'ai pas grand-chose à perdre. Hop! On va venir mettre quand même un sacrificiel, on va mettre le double sélectif, hop. Et puis même un petit déroutant sur le logis, on prend pas de risque. Moi j'ai une synchro que je vais peut-être essayer de caler avec le Xal, bon elle est pas ultra boostée donc c'est pas forcément très utile. On va voir ça, hop. Alors avec des gélures, est-ce que je peux générer du téléfrag dans un sens ou dans l'autre? Ok, je peux en mettre un ici. Hop, ça fait. Ouais, ça booste un peu ma synchro quand même, je vais la placer. Ici, ce sera nickel. Hop. Petit retrait sur le Yop. Petite synchro. Et double fuite sur le Xal. Je pense que comme ça, ce sera pas trop mal. Donc, on a encore le retrait qui passe en face. Le Yop se retrouve à 432 points de vie. Il est érodé à moins de 3000. Pour le J, ça va à peu près. Ah, est-ce que je lui ai laissé les PA pour la colère de Yop? Ouais, 8 PA, il peut placer une colère de Yop. Bon, ça va être à moi de faire en sorte de ne pas crever. 845 points de vie. Lenny, est-ce qu'il lui fait encore autre chose? Peut-être une prêve ou un truc comme ça? Tourbillonnant, ouais, bon. C'est pas dramatique en termes de soins. C'est gérable pour moi. Je peux lâcher un flair et je peux aller terminer le Yop sans problème. Hop là. Ouais, concrètement, je peux même faire mieux que ça. Hein. Je peux même mettre un coup d'héros sur Lenny, comme c'est sur lui que je vais partir juste après. Comme ça, je me transforme. Je vais passer tranquillement mon kill sur le Yop. Voilà, les carcasses, là, vous voyez, à 600, hein, je commence à être bien boosté. Je remets une dose sur Lenny. Hop. Est-ce que j'ai toujours le boost du limier? Oui, je l'ai. Donc là, je peux partir vraiment full rocks. Bam. Regardez-moi ça, ces dégâts qui sortent. Regardez, pour 2 PA, je mets 820 pour 2 PA, quoi. C'est complètement, complètement énorme avec le J, hein, bien sûr, vous connaissez. On va dire un bon jeu, ils ont été agréables en face.
Bon, je suis un peu déçu pour le fail du stuff du Xel, hein. Clairement, là, c'était un peu pourri. Je crois que je dois avoir deux ou trois slots vides de trophées, quoi. Enfin, bref. Tant pis, on s'en sort quand même malgré ça. Et donc, fin de ce petit colis. Donc, Eni Hérodeur plus Xelor contre Eni Hérodeur plus Panda. Bon, ils étaient un petit peu trop fragiles sur la mode, hein. Je pense que c'est ça qui a porté préjudice. Il y avait quand même voilà, le Stabicarcham autour de la colère de Yap est vraiment très puissant, hein. Ça, c'est pas nouveau, on connaît bien. Et quand ça passe, c'est dévastateur. J'ai failli perdre mon Ouji, mais je m'en sors. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit combat vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.